What's up? C'est Alex Yann Lesser. Fait que donc, je fais la démonstration de Destiny. Donc, c'est ça. Ça, c'est Destiny, le jeu d'aventure RPG MMO. Pour ceux qui ne savent pas, jeu massivement multiplayer. Multijoueur. Donc là, je m'en vais faire la mission 2. Que j'aurais dû regarder c'était quoi avant. Mais pour ceux qui ne connaissent pas Destiny, c'est. On dirait un mélange d'Halo, Final Fantasy, Star Wars, plein d'affaires bizarres. Et de Call of Duty. Il ne reste plus rien ici. Les déchupis, tout ce qu'ils trouvent. Nous avons eu de la chance de trouver ce vaisseau. Un gardien ne peut pas protéger la cité sans ça. Mais il nous faudrait une boîte de distorsion pour aller. C'est vraiment une grosse histoire. On comprend rien avec des gardiens, des héros, des. Nous avons survécu une fois aux déchus. Nous leur survivrons encore. Donc c'est vraiment écœurant. Je joue sur la version ancienne génération de console, considérée comme la Xbox 360, qui est encore soutenue par Microsoft. Le vaisseau d'un gardien a été abattu par ici. Nous pourrions en récupérer des pièces, si les déchus ne l'ont pas déjà fait. Donc là, je sais pas trop qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Bon. Explorer. Petit scan. C'est là. Donc si on a un spectre, c'est un robot, puis on se promène comme ça en courant, puis en tirant avec notre fusil, on peut frapper. Donc quand même, je trouve qu'il est pas full bien fait comparé à la version PC, parce que j'ai le 2 au PC. C'est quand même pas peu quand je trouve ça. On voit quasiment pas la différence avec PS4, mais pareil. Le PC, ben, avec la carte graphique, on peut aller plus haut dans les détails, la fluidité. Donc, ouais, c'est ça. Donc là, ils veulent que j'aille par là. Utiliser le spectre. Donc, le niveau de difficulté, on peut le modifier. Les systèmes sont complètement morts, mais je pense pouvoir récupérer leur dernière transmission. Ben, si tu peux le faire, fais-le donc, petit spectre. C'est mon spectre. Pourquoi j'ai 5 verres avec ça? Enfin, le basse-coup. Ce sont les bébés. J'ai réussi à restaurer un relais d'information dans les tunnels en dessous. Mais, allons voir ça. À part ça, le 2 est pas très différent. C'est juste pas les mêmes missions. C'est ça, on se promène souvent du point A au point B. Juste comme battre quelques ennemis. On peut augmenter nos niveaux vu que c'est un RPG. Donc je sais pas trop où ils sont. Qu'est-ce? B. Un instant, oui. Kill enemy. So. Your move with his song. C'est dans la chanson? Pas sûr. Je sais pas. Non. J'aimerais ça vous montrer un peu plus d'action, mais là, pour l'instant c'est juste la deuxième mission. Ah il y a ici le problème. Ah c'est là. Je fais une vidéo là sur Destiny 2, 1. Sauf que j'ai toutes les expansions, l'édition légendaire. C'est d'abord ça. Ok, ça. De la zone. Le spectre est bien utile. Ce qu'il nous faut, c'est la boîte de distorsion. Comme ça, nous pourrons voyager vers n'importe quelle planète. Ne
seul espoir est là où nous avions dégoté notre vaisseau. Il faut y retourner. On faut retourner au vaisseau. Donc, il n'y a pas beaucoup d'action parce que je suppose que c'est le début, mais plus tard, il va sûrement en avoir plus. Ben, c'est sûr que ça ressemble un peu à Halo, c'est fait par la même compagnie, Bungie, qui au départ faisait Halo. On a décidé d'aller plus multi-console. Donc, le vaisseau est où? Ah, ok. C'est par là, ok. Donc on se promène dans le jeu, là. On se promène. Ah, tout à coup, il y a quelqu'un qui tire dessus. Les trois soldats. Mais des fois, il serait censé avoir d'autres joueurs comme qui nous aident dans les missions plus difficiles, qui sont prêts pour le multijoueur. Donc, ok. Ah. Ok, j'essaie de rendre l'avion intéressant en parlant, mais. En tout cas, comme vous le savez, je suis fan d'Xbox, puis je suis content que le 360 soit encore supporté online. Surtout qu'en elle, ils ont fait un rabais de 1$ pour un mois. Puis que j'ai pas réussi encore. Je cherche la boîte de distorsion. Ah, une mauvaise nouvelle. Elle est entre les mains des déchus. Oh, les déchus. Ça, c'est les méchants. J'espère que vous êtes prête. Oh, ouais, je suis prête. Je déteste les fusils rafales. Et mourir. On y va, go. Ah, pas quelqu'un. C'est le boss, ça. Wow! Oh, wow. C'est la première fois que je meurs. Bon, oh, j'ai vu le boss. Bon, oh, refrag. Respawn. Je crois que c'est le boss, mais après c'est fini. Oh. Je finis cette mission, ben, cette partie-là, puis ça va me faire en vidéo. Donc, donc le niveau de difficulté est anormal. Puis comme dans Halo, on peut se recharger nos vies comme ça. Dans Call of Duty aussi. Donc c'est pour ça que c'est un mix d'aventure, un jeu d'aventure, puis de Call of Duty, Halo. C'est même une mission que dans Halo. Charge. Oh ouais. En plus toi. Ah, qui t'es prêt? Prends ma gâchette. Thank you.
il est bien résistant tout à coup. Allez, allez, je vais l'avoir. On va se cacher. Je vais l'avoir, je vais l'avoir. Allez. Je vais prendre plus, mais ça va être mieux que ça. Mais pour l'instant, ça va être correct, je vais réussir à le battre. Comment, comment? Allez, 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 allez. Bon, super. Vous avez tué un Marcon. Nous avons récupéré une boîte de distorsion. Donc voilà, c'était le deuxième niveau après le prologue du jeu. On peut aller aussi dans nos options comme ça. Inventeur. Donc, personnage. Attaque 5. Donc voilà, c'était ma première vidéo de Destiny. Édition légendaire. Donc si vous aimez ça, abonnez-vous à la chaîne Alexandre Sort. Vous mettez des j'aime ou vous me laissez des commentaires dans la section de commentaires. Je vais probablement vous répondre parce que je peux répondre tout le temps la plupart du temps. Et aussi partagez et abonnez-vous. Donc je me répète, donc c'est la fin de la vidéo. Ciao ciao!